Avec un gros crayon, je brosse les sourcils. Après ça, je vais utiliser une pommade à sourcils. Je trace en l'air les sourcils, en bas sourcils, et puis je vais remplir l'espace vidéo qui est dans le temps. Et puis, avec un concealer, je vais tracer en l'air les sourcils en bas, juste pour me donner la forme que je vais appeler. Si vous avez une pommade à sourcils, vous pouvez utiliser un crayon marron. Et puis, avec concealer là, moi servir avec comme base à paupières. Et puis, moi utiliser un fard marron comme couleur de transition. Et puis, m'a estompé au fur et à mesure. Et puis, moi utiliser une couleur rouge pour créer paupières moins. Et puis, m'a mélanger les avec couleur de transition hein, qui c'est couleur marron, m'a estompé. Et au fur et à mesure, m'a mettez jusqu'à juste pour le cas j'ai moins besoin là. Et puis ma petite tomber. Moi je vais faire un kit quiz. Et puis mais là moi fais kit quiz moi, ma belle femme que moi appelée hein. J'espère que nous bien comment moi faire parce que moi déjà pas trop explicite. M'espérer que Noël bien ça m'a fait hein? Voilà et puis moi utiliser un fard vert moi mettez la quelque et puis moi remplir tout espace vidéo j'espère que Noël voilà. Très simple. Voilà, pas un bail qui est compliqué, bien facile, une nouvelle. Et puis, moi, utiliser un fard irisé et puis, moi, juste passer le soleil pour qu'il y ait une couleur lumineuse. Ok? J'espère que nous, ouais. Voilà. Fait un trait de liner. Et puis moi ajouter couleur marron, moi ajouter dans ratil moi et puis moi ajouter mascara dans ratil moi. Un primer. Une fois que je finis appliquer, moi ajouter un fond de teint. Moi estomper. Assure que toujours bien estompé fond de teint. Faut que bien estompé. Une fois que bien estompé et puis on mettez anti-cernant. Et puis là, on va appliquer anti-cernant, m'a estompé. Assure que le bien estompé. Une fois que fini estompé, au café contouring là. Et puis là, on fait contouring là. Bien estomper matière là. On finit bien estomper le matifier zantea côté où tu mettais anti-cernant, excusez, côté où tu mettais anti-cernant. Une fois que on finit bien matifier teint avec un poudre contour, moi refais contour là pour bien marquer zone contouring là. Là, je crée un élève moins. Après ça, moi mettais un petit anti-sang dans la bouche moins. Et puis, moi vais le fixer. Une fois que je finis de fixer le maquillage là après, au revoir mes amours, bye et pas oublier d'abonner à la chaîne là pour plus de vidéos.